Un gilet orange, c'est la banque alimentaire. Beaucoup de convivialité, de choses agréables à vivre ensemble. Ouais, c'est une grande famille, hein. Là, c'est une deuxième famille pour nous, la banque alimentaire. Ça fait un peu un mélange aussi, hein, de générations, et ça fait du bien. C'est du bénévolat, donc on est disponible quand on peut. Il y en a qui viennent qu'une demi-journée, d'autres une journée, ça dépend quoi. On peut donner le temps qu'on peut donner, mais il y a des personnes qui sont là tous les jours. C'est vraiment admirable. J'ai une fourmilière. Au niveau du tri, nous sommes des fourmis. Nous courons à droite et à gauche, nous mettons dans des cartons. Ce que je voulais, c'est après ma retraite, c'est faire quelque chose pour aider les gens. Ouais. Hein? Bon, aider comment, on ne savait pas trop. Puis il y a eu, moi j'ai vu cette annonce pour la banque alimentaire, j'ai dit bon, c'est là que je vais, quoi. C'est là que je vais, donner mon temps jusqu'à ce que je puisse le faire. Et puis ça va nous occuper. Franchement, on est fiers de le faire. Franchement, moi, c'est ce que je dis toujours. Je le fais, mais de bon cœur. Quoi. Et quand je suis une journée sans venir, parce que j'ai d'autres occupations, bien sûr, on est content de revenir ici. Quoi, parce que, franchement, puis si, je vous dis, c'est une seconde famille.